Des grandes ou petites entreprises, elles sont venues nombreuses participer à cette édition 2022 des Journées de l'industriel du Gabon. Nous avons tenu à participer à ce grand événement qui met en valeur l'industrie gabonaise. Aujourd'hui, Olam est indéniablement l'un des partenaires privilégiés de l'État gabonais. Nous contribuons énormément au développement du tissu industriel du Gabon. Nous sommes le premier employeur du pays après la fonction publique, hein, avec 12 000 emplois. Notre activité déjà implique le contact avec la nature, le contact avec les forêts. Et nous sommes certifiés aujourd'hui, nous sommes certifiés FSC. Aura Bank est une banque universelle qui se positionne dans le secteur économique au Gabon. Nous avons accompagné plusieurs industries. Et notre accompagnement est un accompagnement qui se fait en respectant un certain nombre de normes et de règles saines. D'accord ? Aura Bank est une banque qui vise à se déployer encore un peu plus, à participer au développement de l'industrie, des PME, et c'est pourquoi nous prenons part à ce salon-là. Développer son entreprise en tenant compte des concepts de durabilité est une nécessité aujourd'hui au regard des enjeux climatiques. Nous sommes un acteur assez important en production de jus en carton, type Tetra Pak, et donc là, on est sur du carton. Pour revenir au plastique, oui, effectivement, nous avons... conscience qu'il y a des virages qui vont s'opérer. Aujourd'hui, il est difficile de remplacer le plastique, mais on commence à voir des alternatives et nous sommes déjà engagés dans cette réflexion. Et pour tout vous dire, je serai la semaine prochaine à Paris au Salon de l'emballage pour voir justement quelles sont les tendances qui sont clairement portées vers la protection de l'environnement. Le développement industriel inclusif et durable, c'est améliorer le coût de la production, réduire l'impact carbone, migrer vers des produits de plus en plus respectueux de l'environnement, tout en prenant en compte les besoins économiques et sociaux des populations.